Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin à Orchestra. J'ai été faire un peu les soldes pour les enfants, surtout pour Maé. J'avais beaucoup de pantalons qui sont trop petits pour Maé, donc là il a 5 ans et demi. Les hauts je l'habille en 5 ans, mais là je lui ai pris pratiquement que du 6 ans. Et puis les pantalons, ça commençait à être un peu feu au plancher, donc là il était temps que j'aille faire du stock. Voilà, j'ai pris quelques trucs aussi pour Evan et un ou deux trucs pour Arthur, mais voilà, c'était surtout pour Maé. J'ai commandé des chaussures, donc c'est pas improbable que à la fin de la vidéo vous me voyez dans une autre tenue, ou je sais pas, parce que je vous montrerai peut-être ce que j'ai pris aussi à la halle et puis à H&M pour lui. Donc si je le reçois aujourd'hui, bah, tant mieux, je vous montrerai. Sinon je vous ferai la vidéo en fait avec un autre jour, mais avec le reste de ma commande de solde. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc j'étais à Orchestra. Pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu quand même pour 120 €. J'ai fait soi-disant grâce à ma carte et au solde 160 € d'économie. Ça veut dire que normalement j'en avais pour 280 €. Mais vous vous rendez compte, ça fait super cher. Après j'ai pas mal de choses quand même, hein. Donc du coup c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc déjà il fallait absolument que je trouve une nouvelle tenue de sport pour Maé. Donc là il va à l'athlétisme tous les samedis. Je lui ai acheté un pantalon je crois en début de saison, hein. Donc là c'était au mois de septembre. Il a déjà un trou aux fesses, c'est super. Mais bon, le truc j'avais peut-être payé 5 € à Kiabi. Donc voilà, il me fallait un autre pantalon. Donc là je lui ai pris du 6 ans, donc un truc tout simple. C'était un ensemble, donc hop, voilà. Donc vous avez les prix à la base, c'était à 25 € moins 60%, donc ça fait une dizaine d'euros l'ensemble. Donc le pantalon il est tout simple, hein, il est bleu marine avec des poches, j'ai les petits galons jaunes, voilà. Alors, rien de plus simple, hein. Et avec, il y a un petit sweat, voilà, jaune. Je trouvais que c'était très mignon, voilà. Parce qu'en fait à la base il y avait des pantalons de sport comme ça, mais ils étaient déjà je crois qu'à 6 ou 7 €. Donc je me dis pour 3 € de plus j'ai un sweat. Voilà, donc ça fait un petit ensemble de sport, j'aime bien. Donc j'ai pris en 6 ans, voilà. Donc le petit ensemble, ça il sera bien content avec ses petites baskets, ça sera parfait. Ensuite pour Maé, je lui ai pris, donc ça c'était pas en solde, j'ai pris quelques trucs qui n'étaient pas en solde, hein. Donc du coup c'est pas, c'est peut-être pour ça aussi que la note a été vite, hein. 6,47 €. Alors déjà les prix 6,47 €, c'est trop bizarre. Donc là c'est un pantalon que j'ai pris par contre en 5 ans, parce que le 6 ans me paraissait mais vraiment très très grand. Donc on va quand même, je vais quand même lui essayer, si ça va pas j'irai changer. Donc c'est des slims, hein. Pour Maé et Evan je prends que des slims, ils sont quand même très très fins. Et sinon ça fait horrible, ça va pas sur eux, ça fait trop large. Donc j'ai pris un slim, voilà, en 5 ans, et encore il y a un tout petit revers en bas, donc voilà. Je pense que la longueur ça lui ira, si toutefois c'est trop petit, j'ai un doute, j'irai l'échanger, il y avait du 6 ans. Voilà, un petit jean tout simple, voilà, pour 6,47 €, ça c'est très bien. Ensuite, toujours un autre pantalon, donc cette fois je l'ai pris en 6 ans. C'est un pantalon stretch, je crois que c'était, ils appelaient ça un slim, oui il y a écrit slim, voilà. Je lui ai pris ce petit pantalon là qui est un peu camel, donc qui est un peu moins slim que l'autre mais qui est quand même slim, hein. Voilà, il paraît très grand celui-ci. Ce que j'aime bien c'est sur la poche il y a un petit détail, voilà, d'écrit, voilà, il y a écrit quoi, smart boy. Je trouve très joli, voilà, ce petit pantalon camel là est très très bien, donc je pense que ça lui ira. Pour Evan, j'ai eu 3 coups de cœur, mais vraiment sur un ensemble. J'ai trouvé trop beau. Bah tiens, elle me dit, mais t'achètes toujours par ensemble, toi. Tu peux pas prendre un truc. Mais j'ai si, je peux prendre qu'un pull, qu'un pantalon. Mais là, je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Donc je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer, mais moi, je trouve ça trop, trop beau. Le jaune moutarde, il est juste magnifique. C'est un pantalon en velours. Donc je l'ai pris en 4 ans. Il était à 10 €. Donc c'était pas en solde. Il est juste magnifique ce pantalon, je le kiffe trop. Je me dis j'aurais dû en prendre un dans le même style pour Maé parce que je le trouve vraiment beau, mais c'est que je crois qu'il n'y avait pas sa taille, c'est ça. Je le trouve très très beau, voilà, un pantalon en velours. Alors qu'il y a peut-être des années de ça, quand j'étais ado, j'ai détesté ça. Mais maintenant je trouve ça tellement beau sur un petit garçon, voilà. Voilà, pantalon en velours, voilà, un peu moutarde. Pour aller avec, j'ai flashé sur ce pull, il est trop beau ce sweat. Alors par contre il est assez épais, je l'ai pris en 4 ans. À l'intérieur je peux vous dire qu'il va pas avoir froid, hein. Il est tout molletonné. Donc ça c'était pas en promo, hein. J'ai payé 12 €, il est trop beau. Ici les manches ça fait matelassé, ça fait un peu américain. Là la petite casquette de l'ours c'est pareil, c'est en polaire, c'est trop beau. Franchement moi je trouve que ça va trop bien avec ça, voilà. Ça. Il a des petites baskets bleu marine et camel qui sont trop belles. D'ailleurs, je vais vous les montrer. J'en viens.
Voilà, je voulais vous montrer vite fait. Il les a déjà mises une fois, donc elles sont déjà sales. Mais j'ai acheté ces petites chaussures à Evan que je trouve magnifiques. Je les ai pris à la halle et je les ai payées... Je sais pas. Non, je les ai pris à Chaussée, j'ai des bêtises. Je les ai payées dans les 16 euros, un truc comme ça. Mais elles sont trop belles. Bon, elles sont déjà sales. Hein. Il les a mis une fois. En plus, il pleuvait le jour où il les a mis. Mais elles sont juste magnifiques. Et ça, avec ces chaussures, avec ça... Ça sera juste trop beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il va être trop beau mon bébé là-dedans. J'espère juste que je lui ai pris du 4 ans, parce que je voulais pas prendre 3 ans, parce que je me dis que 3 ans, il va le mettre que cet hiver et c'est fini. J'espère que ce sera pas trop grand pour tout de suite. Je vais lui essayer, je pense pas. Et je me dis que ça, je suis trop contente parce que c'est des pièces que j'adore et que j'ai de la chance d'avoir un troisième garçon, mine de rien, et qui pourra aussi l'utiliser. Et pour aller avec, j'ai eu un coup de cœur. Bastien m'a dit, ah ouais, ça va trop bien aller à Evan. Sur cette veste en jean, elle est juste magnifique. À l'intérieur, elle est toute rembourrée comme ça. Elle fait toute épaisse. Alors là, je vais pas lui mettre maintenant pour l'hiver, mais quand on va arriver presque au printemps et à l'automne, ça sera parfait. Je lui ai pris en 4 ans. Elle était à 17 euros. Donc c'est pas si cher, franchement. Elle est magnifique cette veste en jean. Et encore une fois, je vous remonte l'ensemble. Mais ça, plus ça, ça va être trop beau. J'ai hâte de le voir avec. Voilà. Ça va être trop beau. Elle apparaît claire à la caméra, mais elle est vraiment brute. Elle est vraiment bleu marine, elle est vraiment brute. Elle est trop jolie, voilà. Puis j'aime bien ce côté un peu rembourré. Ensuite, pour Arthur, je lui ai pris un pantalon à 3 euros en 2 ans. Parce que là, il s'habille en 2 ans et des pantalons, il n'y en a pas beaucoup en 2 ans. Du coup, je lui ai pris ce petit pantalon-là. C'est un petit... c'est pas un slim celui-ci, mais bon. Pour Arthur, ça ira si c'est pas un slim, il a des bonnes cuisses. Donc voilà, un petit pantalon kaki tout simple. Et pour aller avec, je vous montre ce que je lui ai pris, c'est ça. Hop. Pour aller avec le petit pantalon kaki, je lui ai pris ce petit haut, j'ai adoré, en deux ans toujours. 7 euros moins 60%, regardez comme il est trop beau. Moitié smiley, moitié tête de mort, c'est exactement ce qu'il faut pour Arthur. Hein, c'est tout à fait ce petit démon. Regardez sur les manches, c'est trop joli. J'adore, moi, c'est le côté un peu bad boy. Tête de mort, petit smiley. Il y en a qui n'aiment pas, hein, pour les enfants. Mais bon, moi, j'aime bien cultiver ce petit style un peu, là. Voilà, ça ira très bien avec son petit pantalon kaki. Je le trouve magnifique, ce petit haut, voilà. Hop, là, vous voyez. Donc ça ne coûtait rien du tout. Et Arthur, je lui ai pris aussi un autre petit haut. J'ai pris les mêmes à Evan et Arthur, à Maë et Arthur. C'est ce petit haut. Donc là, c'est complètement différent. Le style, là, ça fait beaucoup plus habillé, on va dire. Donc il était à 10 euros moins 60%. Donc ça fait rien du tout. Voilà, c'est ce petit haut-là. Donc il y a des étiquettes partout. Je l'ai pris en 2 ans. C'est un petit style de polo, en fait. Polo bleu marine. Mais j'aime bien, je sais pas si vous allez voir, les manches, c'est une autre matière. Voilà, les manches, c'est nid d'abeille. Et là, ça fait polo. Voilà, je trouve ça très joli. Ça fait un peu classe, j'aime bien. Et par exemple, même avec ce pantalon, ça irait très bien aussi. Voilà. Mais je trouve que ça fait très joli, j'aime beaucoup. Donc du coup, ce petit polo, j'ai pris le même à Maë en 6 ans. Voilà. Toujours, il était à 10,50€ cette fois. Voilà, avec les manches d'autre matière, je le trouve très joli. Ensuite, pour Maë, je lui ai pris cette magnifique chemise qui était à 11,47€. Et elle était à 60% aussi, donc je ne l'ai pas payé très cher. Elle est noire et blanche, j'aime beaucoup la matière. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça fait vraiment une matière un peu lin, on dirait. C'est pas du coton, hein, quoi, c'est pas du coton. Ça fait pas épais, ça fait vraiment lin. Je trouve qu'elle est très jolie, voilà, noire et blanche, comme ça, en 6 ans. Elle ne paraît pas très grande, pourtant. Ensuite, pour Evan, en fait, j'ai pris pas mal de choses aussi pour Evan. Je lui ai pris un petit pantalon comme ça, slim, bleu marine. Je lui ai pris en 4 ans, voilà. C'est le même que Maë, vous savez que le détail sur la poche derrière, voilà. Et pour aller avec, je lui ai pris cette chemise. Donc ça, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais après tout, je cherche pas à plaire à tout le monde, hein. Mais j'ai pris cette chemise-là, voilà. Un peu camouflage avec des voitures, je sais pas si vous allez voir. Et je la trouve super jolie, elle est très fluide, très légère. Et ça, c'est pareil, avec son petit blond, là, ça ira très bien. Donc je lui ai pris pour mettre avec ce pantalon-là. Et les chaussures, ça ira super bien aussi. Hop. Vous voyez, avec les petites chaussures, le style un peu, je trouve ça très très beau. Et je me dis, pour Marrakech, ça pourrait être pas mal pour faire des petites photos aussi. Je la trouve super jolie. Et je sais pas si je vous ai dit le prix, elle était à 12 euros moins 60%. Et dernier article, je pense que c'est la fin, voilà. J'ai pris ce petit top à Maë qui était à 8 euros moins 60%. C'est ce petit pull-là. Tout fin, tout léger, ce petit t-shirt à manches longues, blanc avec... très blanc, j'adore le blanc, je trouve que ça va très bien à Maë le blanc.
Par contre, c'est que ça va pas être blanc pendant 20 ans, je le sais, hein, c'est ça qui m'embête. Avec un renne, et c'est des petits sequins dessus, mais c'est pas des sequins qui sont réversibles, hein, c'est vraiment collé. Et je trouve très joli, voilà. Avec un petit jean, son petit jean brut là, ce sera parfait ça, voilà. Donc voilà pour mon petit... tout est relatif, mon haul, hein, voilà, je voulais vous montrer, ça vaut vraiment le coup Orchestra. Je sais pas si du coup vous avez quand même les promos si vous n'avez pas la carte, mais sachez qu'en ce moment la carte elle est à 10€ à l'année l'adhésion, donc ça vaut vraiment le coup. Vous la prenez 10€ et ça vous fait toute l'année moins 50% sur tout le magasin, donc ça vaut quand même vachement le coup. Là du coup si, bah avec la carte vous avez 60% du coup. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller ranger ça, ce qui veut dire nouvelle fringue, veut dire machine à laver, veut dire repassage. Donc là, c'est moins rigolo tout ça. Il faut que je fasse un énorme tri dans leur dressing parce que là, il y a plein, pas mal de choses qui leur vont plus. Et que je passe les choses de Maë à Evan et Evan à Arthur et voilà, vous m'avez compris. Hein. Et coucou tout le monde, je vous reprends vite fait comme je vous avais dit pour vous montrer, j'ai reçu les trois dernières pièces qui me manquaient de ma commande pour Maë. J'avais commandé une paire de chaussures aussi que j'ai toujours pas reçue, donc ça traîne. Je vous la mettrai en visuel par ici, c'est une paire que j'ai commandée à la halle, donc je me dis je vais pas attendre de les recevoir. Je vous montre un petit peu le style de chaussures que c'est, un petit peu style je trouve sport, en même temps montagne, je sais pas. Je vais montrer, il a choisi entre deux paires, il a choisi cette paire là. Maintenant il a un âge Maë où il a le droit de choisir ses chaussures, il a envie de choisir ses affaires. Surtout que les chaussures, c'est monsieur chaussures, il choisit toujours les chaussures qu'il va mettre avec ses tenues. Donc voilà, donc comme je ne les ai pas reçues, je vous les montre. Et par contre j'avais fait une petite commande à H&M, donc trois articles pour Maë que j'ai reçus. C'est tout très bien, je suis très très contente. Déjà j'avais commandé une grenouillère comme ça, pyjama, donc c'est 4-6 ans. Mais ça me paraît de la bonne taille, hein. L'avantage c'est qu'Ivan pourra le mettre après. Je sais plus les prix, mais pour les 3 articles j'en ai eu pour 25€, donc c'est pas très très cher, hein. Ça je pense que c'était 6€, voilà, ça me fait penser au pyjama de Dewey. Mais voilà, c'est super mignon, c'est avec des petites rayures comme ça, bleu marine et blanc. Voilà, c'est un pyjama tout simple mais j'aime bien, je le trouve très joli. Un grand pyjama, il va être trop mignon. Voilà, c'est assez grand, hein, mais je pense que ça lui ira. C'est à peu près, c'est du 110-116, donc je pense que ça va quand même lui aller. Et puis même si c'est un petit peu court au pantalon, c'est pas grave, après ça ira à Evan. Voilà, ensuite je vais commander ce joli pull qui est magnifique. Voilà, un pull en laine. Ils ont jamais eu vraiment des gros pulls comme ça en laine, je trouve ça très joli. Tout torsadé sur le devant avec un petit logo ici, voilà. Il me paraît pas très grand ce pull, je pense qu'il va lui faire cet hiver et après l'année prochaine il ira à Evan. Mais au moins voilà, il fera la fin de l'hiver ici. Il est assez lourd, on voit que c'est de la bonne qualité, voilà. Il est très très joli, bleu marine. Voilà, et un sweat à capuche comme ça, vous voyez, la capuche dinosaure avec le gros logo de Jurassic World, je crois. Ouais, Jurassic Park, j'ai dit, mais non, c'est Jurassic World. Voilà, ça c'est super joli pour aller faire le sport ou même avec un jean pour aller à l'école, ça sera très très bien. Voilà, je sais qu'il va adorer cet achat, je vais pas du tout montrer, ça va être la surprise de ce soir, mais je trouve super joli. Dernière chose que j'ai acheté, alors c'est pas forcément des soldes mais je les ai achetés à Lidl, je voulais vous les montrer parce que je les ai pris hier. J'ai pris une petite paire de chaussettes comme ça pour Arthur antidérapante, voilà, j'ai pris du 2-4 ans. Ça c'est bien parce que des fois les chaussons bah, il les perd et à la maison bah, ils sont souvent en chaussettes et ça c'est pas mal, antidérapant, ça brille dans le noir, ça coûtait pas très cher. Ensuite j'ai pris un joli pyjama pour Evan, Maë était jaloux mais j'y avais pas ta taille. J'ai pris en 2-4 ans, c'est un pyjama... squelette, voilà, un pyjama squelette qui brille dans le noir. On a testé, en effet ça brille vachement dans le noir, donc il est tout content. Il y a le pantalon avec, voilà. Donc juste, il me dit mais c'est pour Halloween, mais je dis non, Maë, j'en voulais un. Voilà, un pyjama squelette, je l'ai payé 5,90€ à Lidl. Il y en a plein des pyjamas comme ça, mais il n'y avait pas la taille de Maë, donc voilà, j'ai pris ça à Evan. Et pour Maë, je vais quand même prendre un pyjama qui est le haut, je pense ça va aller, c'était du 6-8 ans. Mais je trouve très joli, le bas par contre il est un peu grand clairement. C'est un bas comme ça, avec des carreaux Vichy un peu. Il est assez grand le bas, bon pour le coup, hein. Que je trouve très joli et avec il y a un petit haut. Pourquoi tout petit je sais pas, mais le haut il me paraît pas trop grand, donc ça va. Bleu marine avec des petits boutons ici, voilà. Je l'ai payé 4,90€ le pyjama, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà, et je trouve que c'est super joli, ça fait un pyjama un peu habillé, j'aime bien, voilà, je trouve très très beau ce petit pyjama.
Donc voilà, sur ce je vous laisse, j'ai fini avec mes achats vêtements pour les enfants, je pense que c'est pas mal hein. J'espère que vous avez fait des bonnes affaires pendant les soldes. Moi je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé, je pense qu'ils ont quand même pas mal de petites fringues là pour la fin de l'hiver. On verra maintenant les prochains achats, pardon, ça sera au printemps quand il fera beau, parce qu'ils vont avoir besoin de t-shirts, parce que là les t-shirts clairement ils sont trop petits pour Maë, ça c'est sûr. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui nous rejoignent. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!